Donc, c'est comme ça que je m'assois dans la voiture. Parce qu'elle partait de mon téléphone. Du coup, quand elle m'a appelé, j'étais là chez le Pakistanais, mais je suis ressortie. J'ai dit au Pakistanais que, ok, je reviens. J'ai même pas dit que c'est combien. J'ai dit que, fais, je vais te payer ce que tu veux. Je suis allée m'asseoir dans la voiture. J'ai attendu 15 minutes et je l'ai rappelé. J'ai dit que, bon, je suis maintenant disponible. Alors qu'elle ne foutait rien. Ça ne me coûtait rien de commencer à trop lui parler là, mais je veux trop lui parler pourquoi? Je me donne une importance, je suis une PD, je suis la reine mère. Je n'ai pas commencé à faire, oui, que quoi? Tu as déjà me donné le dossier. Maman, même quand tu m'amènes un dossier, te montre, je te fais d'abord souffrir. Moi, je ne prends pas les dossiers comme ça, comme si c'est que je galérais du work dans ma société. Non. Même pour me remettre un dossier, tu m'appelles même 5 fois, même une semaine. Tu passes même pas les gens pour dire que. Il faut demander le dossier, si là. Le dossier même de. Du frère de Lady. De, le frère de Bobson. Vous connaissez combien de personnes il est passé par eux pour arriver à moi? Mais il y a même les gens que je connais bien qui m'ont envoyé même les messages que oui, s'il te plaît, on avait le frère. J'ai laissé une semaine passer encore. J'ai laissé dormir encore une semaine le chantier là avant de récupérer. Moi, je ne prends pas les chantiers comme ça. C'est pour ça que vous aurez trouvé tout ce que je rejette. C'est comme ça que Nadège me ramène un gros chantier. Un gros contrat. J'écoute d'abord tout. Tout ce qu'elle a me dit, j'écoute à bras ouverts. Et je lui demande, parce que moi. C'est comme ça que je demande à Nadège, est-ce que tu peux témoigner en direct, en live? Parce que la qualité, le gros chantier, c'est là. Je ne peux pas venir répéter qu'elle a dit que non. Mieux elle-même, elle parle. C'est où je donne un rendez-vous. Je ne suis même pas sûre qu'elle peut honorer. Quelqu'un peut venir te donner un devis pour un chantier. Et un devis ne veut pas dire que tu gagnes le marché. Hein? Tu fais ton devis, tu donnes. Après, tu attends qu'on te rappelle. Quand maintenant, je fais mon devis, je donne à Nadège que oui, le chantier peut démarrer le soir à 20 h. Je donne rendez-vous. Elle dit que oui, donne. Entre-temps, elle m'appelle quand même, m'appelle. Bon, je ne décroche pas trop parce que je n'ai pas envie de trop parler. Et puis, elle dit que oui, je vais lancer les travaux à 20 h. Le jour à 20 h, on a lancé les gros travaux. Les gros travaux que vous connaissez oh, sur Compreput, on a lancé le monde entier écouter. Mais je n'ai pas vu les carteuses venir défendre Compreput. Tu ne la défends pas par rapport à quoi? Est-ce que Nadège, c'est ton ami? Tu ne la connais pas, ce n'est pas ton ami. Mais tu as poum, parce que tu es parti chez Nadège dormir, tu as pissé là-bas. Tu as pissé au lit chez elle. Cette écarteuse. Je ne décroche pas. Va te faire foutre. Donc, du coup, comme les carteuses étaient chez Nadège, qu'elle a mangé, elle a bu, elle a pissé sur le canapé blanc. Elle a bu, elle a pissé sur le canapé blanc, blanc du canapé. Tu sais que tu vas quitter les classes des carteuses, tu vas revenir. C'est moi, Flo, qui dis que tu n'as aucun bac. Tu vas venir te justifier sur ce que je dis. Les carteuses, viens nous faire une vidéo. Tu ne dis si tu n'as pas pissé sur le canapé blanc, blanc de Nadège, ma papa. Tu es entré chez Nadège Mbapa. Parce que Nadège Mbapa n'a jamais voulu d'abord la paix entre toi et Compressor. Elle avait refusé. Même une fois dans les vidéos, comme elle a dit que je préfère la paix entre Compressor et Flore que Compressor et Lolo. Nadège Mbapa avait refusé la paix là. Comme le couple Njansan a tout fait. Vous avez maintenant fait. De toi. Donc, comme le couple Njansan a tout fait, vous avez fait la paix parce qu'il devait être là. C'est pour ça que tu as couru Kounia à Kounia. C'est Nadège qui a préparé la nourriture à 100 euros. La nourriture à 100 euros que Compressor, elle a payé apparemment. Puisque comme elle vit dans une chambrette, elle a payé pour que Nadège reçoive chez elle. C'est comme ça que vous avez bu les bières chez Nadège. Chou n'est pas venu le jour-là. Adou. Adou n'est pas venu. C'est comme ça que toi, les cartes, tu arrives. Avec notre soeur qui est en dépression, en thérapie, elle est en thérapie. Tu arrives avec ma ministre. Vous commencez à crier comme les folles, mais vous êtes folles depuis. Vous entrez chez quelqu'un, vous commencez à pisser derrière le couloir. Vous n'avez pas honte. Vous entrez chez Nadège, ici, là, à machin. Ici, à Janté, vous commencez à pisser au couloir. Ou bien tu croyais que quand tu devais entrer, comme la caméra t'attendait, tu allais avoir 100 000 vues. Oh. Maman, tu as tapé bien poteau. Les gens ne s'intéressaient pas. Maman, qui avait vu le soir de la réconciliation?
Les gens ne s'intéressaient pas à toi parce que tu n'étais. On s'en foutait de votre réconciliation parce qu'on savait que c'était l'ombrakata, c'était pas sincère. Les gens s'en foutaient éperdument de ça, de ta réconciliation à deux balles. Parce que tu n'es qu'une pauvre chouette, tu es une vieille chouette, tu n'es qu'une pauvre chienne. Qui t'assoit sur quelqu'un, tu oublies, tu crois que tu as fait un rêve, tu pisses sur le canapé. Tu as oublié, tu étais là, tu avais tellement bu. Entre temps, compression, on ne gérait pas. Quand vous partez, tu squattais derrière tous mes ennemis. On m'a bloqué là. Et on a signalé ou quoi? Et qui? Mais vous avez signalé pourquoi? Je n'ai pas encore fini. Je suis là. C'est lundi. Ouais, je veux bloquer. Ils savent qu'elle est postée. Attendez. Maman, attendez, j'éteins. Je vais éteindre comment? Maman, mon portable a planté. Je vais faire comment? Ouais.